Sortez. Donc, comme on dit souvent, même prière. Je vais donner mon avis par rapport à l'ami de Bruno qui est sorti hier sur les réseaux sociaux. Donc, il y a de cela quelques temps, je crois 2 ou 3 ans par là, la femme de Bruno, Ivana, nous avait fait ce statut-là. Les hommes qui valorisent soi-disant leur femme, femme en public là, plus waka, n'existe pas. Pardon, récupérez votre jouet. J'ai fait, on a vu, à la suivante, pardon. C'était son ras-le-bol par rapport, aujourd'hui on comprend donc pourquoi. On arrive à mettre les choses dans le contexte aujourd'hui parce qu'il y a l'ami de, comment on dit ça, de Bruno qui est sorti hier, hein, qui nous expliquait comment est-ce que Bruno avait dragué sa copine. Comment est-ce que sa copine, soi-disant, c'était son frère, il appelait frère alors qu'il mourait sa copine. Donc je vous ai lu cette capture d'écran. Je vais vous lire la suivante, la prochaine capture, et après on va analyser. Suite aux révélations de Franck hier, Bruno lui a répondu ce matin en disant ceci. Cela fait pratiquement 3 ans que tu n'es plus à vision. Si j'ai commis des erreurs, croyant bien faire, qui ont peut-être porté préjudice à ta fierté, frère, je te demande pardon. Je prie que le Seigneur te permette de retrouver la paix intérieure, qu'il enlève en toi l'esprit de jalousie, de calomnie, de manipulation, frère. Frère, ce sont des sentiments qui peuvent te ronger à petit feu. Donc, ça c'est ce que Zui a publié tout à l'heure. Il a publié une conversation que Franck, l'ami de Bruno, aurait eue avec sa femme Ivana. Alors, comme vous pouvez voir, Zui nous fait lire le dernier paragraphe en disant que Bruno aurait proposé à son ami de faire une touspa, lui et sa copine de l'époque, hein, qu'il traite de n'importe quoi aujourd'hui, et Ivana et son gars. Donc on va donc passer à mon ami. Déjà, je tiens à dire à Franck une chose. Tu n'es pas marié avec la dame, et même si tu es marié, ce sont des choses qui se passent entre personnes majeures et consentantes. À aucun moment, tu nous as dit que ce monsieur aurait abusé gnastiquement, moustiquement de ta copine. Toi-même, tu l'as su et tu n'as rien dit. Tu étais donc, quelque part, d'accord avec ce qui se faisait sous ton toit, sous tes yeux. Au départ, tu nous dis que quand ça a commencé, ce n'était qu'une amie, une amie très proche. À la fin, tu nous fais savoir qu'avec cette amie très proche, tu as eu un enfant. Et qu'au final, tu vivais sous le toit, tu as perdu ton boulot ou elle te méprisait. Déjà, dans quel cours une femme qui te respecte se fait inviter par ton ami, elle se retrouve donc à Mbalmayo ou à 100 Milima, bref, j'ai oublié, disons à 100 Milima, sans te dire. Elle t'informe à la dernière minute. Tu n'arrêtes pas la relation, tu continues la relation. Cette dernière te méprise, tu reçois des voices, tu continues à jouer le jeu. Quelque part, tu es complice dès le départ de ta relation avec ta copine et ton soi-disant frère. Tu es très ambitieux, tu es très... Je ne sais pas ce que tu attendais de cette relation, mais tu savais. Tu as continué à couiller cette fille, tu as continué à avoir des relations avec elle, tu as continué à la gnasse, vrai ou faux. Tu as dit que l'histoire a duré 3 ans. Pendant les 3 ans, tu as continué à la gnasse, non? Bon. Ça ne te posait aucun problème de mémoire. Pourquoi tu sors aujourd'hui, 3 ans plus tard? Ça fait 2 ans que la fille est partie. Moi, quand je t'entends parler, que je te vois parler, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que tu ne nous as pas dites, en fait. Parce que tu nous dis que Bruno serait le PDD de 100 Minima. Je vais bien te croire, hein. Mais j'ai envie de dire, pourquoi tu ne t'es pas débarrassé de cette fille? Sa femme savait, la femme de Bruno, Ivana, tu as dit qu'elle savait. Tu as dit que, voilà aussi, une femme, tu n'es pas mariée avec un homme. Tu apprends un truc comme ça, tu es là. Bille, tu acceptes d'épouser malgré tout. Tu nous dis qu'elle avait appelé le patron et qu'elle avait demandé à ce que ta copine de l'époque soit licenciée. Elle n'a pas arrêté la relation. C'est aller de mal en pire. Et dans ton récit, tu nous dis que Bruno, que la femme de Bruno, Ivana, t'aurait dit que Bruno est radin, que lui ne donne pas son argent comme ça. Ça veut dire que la fille a aimé le garçon. C'était à toi de partir. Cette fille est libre de faire de son couteau ce qu'elle veut. Elle est libre de faire de son Jessica ce qu'elle veut. Elle est libre de donner à qui elle veut. Comme toi aussi, tu es libre de t'en débarrasser. Ta sortie d'hier, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que tu ne nous as pas dites. Vous avez fait les touspas et au final, il t'agnasse, il agnasse tanga. Et au final,
La fille est partie il y a de cela 2 ans. Peut-être tu t'attendais à ce qu'elle te fasse monter. Peut-être tu t'attendais à ce que le gars ait d'autres responsabilités morales envers toi. Parce que tu nous parles de pratiques occultes qu'il t'aurait obligé de faire. Oui, je parle de ce que Zui a posté comme écrit avant de poster la vidéo. Les pratiques occultes, tu ne nous en parles pas. Tu es encore une fois majeur et vacciné. Donc, si tu as fait quoi que ce soit, c'était à ton âme et conscience. Maintenant que tu viens pleurer sur la toile, de faire comment? J'ai envie de savoir. La fille est partie à 2 ans. Le gars continue sa route. Sa femme est toujours mariée. Toi, tu sors aujourd'hui. Tu te plains d'un tas de choses. Quelque part, tu ne nous apportes pas les, comment on dit ça, les preuves. La fille est majeure. Hein? Toi, dis-nous pourquoi est-ce que tu as supporté de vivre avec une femme pendant des années qui t'a trompé, qui t'a méprisé, qui t'a rabaissé avec quelqu'un que tu as appelé frère. Dis-nous pourquoi est-ce que tu as continué à fréquenter quelqu'un qui t'appelait frère et qui niaçait ta femme recto verso. Tu avais quel intérêt derrière? C'est les mêmes gens. Vous êtes comme l'autre. Quand ça vous arrange, quand vous miroitez l'avenir, vous la bouclez. Quand vous n'avez pas ce que vous voulez, vous venez pleurer dans nos oreilles. De faire quoi? Des révélations hier, je suis sûre que tu n'as pas dit toute la vérité. Je suis sûre que ce que tu as annoncé dans tes préambules qui suivaient ta vidéo, pratique occulte, Nias forcé, non, Nias le Bouddha, Nias le Chiwul, tu n'as pas parlé de ça. Est-ce que toi, tu n'as pas servi d'un gars à ce garçon? Est-ce que dans vos tous pas là, tu n'étais pas niasse par lui? Donc, franchement, quand l'amitié finit aujourd'hui, là, vous ne savez plus vous respecter. Et puis toi, Bruno, tu te lèves. Que, oh frère, si j'étais offensée, ça fait 2 ans qu'elle a quitté le pays. Que, oh frère, la jalousie fait que, oh frère, c'était ton frère. Et tu l'as remercié comment? Tu as montré ta loyauté comment? Même si la copine de ton frère vient te dire que voilà, niasse-moi, j'ai besoin de 1000 francs. Tu ne peux pas lui donner 1000 francs et dire que non, au nom de mon frère, je ne peux pas te niasse, prends 1000 francs, pas. Ouais, non. Est-ce que tu nous as avoué dans tes écrits là, tu as niasse avec la copine de ton gars, de ton frère ou pas? Il y a une niasse ou pas? Ce qu'il a dit là, c'est vrai ou pas? Ou bien toi, ce qui te dérange, c'est qu'il sorte 2 ans ou 3 ans plus tard. Hein? Arrêtez ça. Ce que ta femme a écrit, que devant les gens, tu montres que tu valorises ta femme, mais pas derrière, tu waka. J'ai déjà dit à mes abonnés que de ce que vous voyez là, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les gens qui veulent vous montrer les couples parfaits là, au fond, c'est le contraire. Regardez ce qui se passe avec Stéré là. Marie a un homme soi-disant riche, avec des enfants, mais elle pleure derrière Ruby. Tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, c'est le pareil, le fond est différent. Tu as niaise avec la copine de ton frère ou pas? Pourquoi tu as fait ça? Tu as tellement fait du mal à ta femme qu'elle a porté ses pieds à aller voir le patron. Vous aussi, quand vous travaillez avec les femmes qui ont un mot dans votre travail, toi, une femme, ton gars te trompe, au lieu de quitter, tu portes tes pieds, tu peux faire enlever une autre femme du travail. Toi-même, tu as vu que tu as plutôt augmenté encore. Peut-être c'est même lui qui a financé le voyage de la fille. Qu'est-ce qu'on en sait? En fait, c'est un monde pourri. Tu n'as pas venu te plaindre. Ta copine n'est pas mineure. Ta copine, on n'a pas forcé. Elle est libre de donner ce qu'elle veut. Toi, il y a quelque chose qui est calé dans ta gorge. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à parler. Viens nous dire de quoi il s'agit. Viens dire si tu as été sanga. Viens dire si tu as été dans les endroits avec lui. Viens dire, parce que tu n'as pas dit tout. Hein. Quand on lit ce qui accompagne la vidéo, tu n'as pas dit tout. Et même si tu avais dit tout, il t'a drogué, il t'a forcé. Tu étais consentant, non? Ça, la vie va vous enseigner. L'excès d'ambition va vous montrer le feu. Nous, on est assis par terre. On vous regarde. Les gens vont dire les enfants préférés de Dieu. Les enfants vont dire même prière. Mais au final, quand la nuit tombe, tu te regardes dans un miroir. Est-ce que tu es fier de la personne que tu es devenue? C'est ça la véritable question. La meilleure prison de l'homme, c'est sa conscience. À bisous.